bonsoir tout le monde. Bonjour. Je dis à vendredi, c'est son long week-end pour les gens qui ont voyagé ou bien les gens qui ont voyagé. En tout cas, l'actualité internationale là, toujours été et la guerre en Ukraine, côté que la Russie continue à babiller. Et il y a un signe qui montre qu'il a semblé que la saison bataille n'a pas commencé en Ukraine à cause du bon temps qui gagne, soleil, etc. C'est un signe qui montre qu'il y a une saison bataille. Il n'a pas commencé, ça veut dire que la bataille que l'Ukraine attend depuis longtemps pour lancer contre la Russie, il a dit attendre la saison à Paris pour le faire, et bien il n'est pas arrivé pour le faire. Et dans le temps qui passe, il y a un grand pile de souvenirs, un grand pile de mouvements que l'Ukraine a fait. Côté au support, bien encore des outils que la communauté internationale là-bas, en particulier les États-Unis, et ils sont capables d'intercepter ces deux missiles que là aussi lancé contre une série de cibles, mais qui pas touché Sibio. Et c'est ça. Et puis, il y a une discussion qu'on a là pour jet, avion de guerre que l'Ukraine a besoin. Et que les prix sont faits là, c'est vrai que c'est le pilote ukrainien qui commence à recevoir, qui commence à s'entraîner, que ce soit parti de base de l'OTAN, mais avec support États-Unis. Mais la question, c'est est-ce que l'Ukraine et avion de guerre SAO, est pour F-16, F-35, pour attaquer la Russie, alors que pas avoué que bon guerre que l'Ukraine entre la carte la Russie à l'attaquer la Russie, ça qui était pour dégénérer, guerre là qui voulait limiter dans quantité de dégâts qu'a fait. Voilà, c'est pratiquement ça qui gagne. Et puis sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là, gagne faut qu'a fait pour est-ce que il est capable. Et pas de signe qui montre que la quantité de migrants qui sont sortis a diminué dans le jour qui vient là, malgré les États-Unis imposer une série de restrictions, nouvelles restrictions qui mettaient en pile restrictions sur les migrants qui viennent dans ces frontières, côté que ou pas de garantie que vous êtes capable de faire un asile, souvenir et sous pas demander asile non, pendant que vous passez dans le territoire de l'autre pays. Mais quand il y a un Mexicain tout en ayant ça à faire, là, chercher retirer les policiers, c'est-à-dire retirer les immigrants qui sont sous zone frontalière et se mettre à l'intérieur de la ville. Mais le problème de logement, et qui sont gros crises, que je vais discuter ça avec Gerlin, et sous question ça, parce que, et, en principe, le problème de logement sur frontière sont un qui grave. Les immigrants n'ont pas de priorité, donc ça va faire, ils sont obligés à dormir dans l'arrière et ouvrir tant dans l'arrière. Et ça qui n'est pas bien mexicain, pas fait mexicain, le plaisir du tout. Et alors que les États-Unis n'ont pas accueilli, pour des raisons qu'ils ont diminué tôt, et les États-Unis disent que le nouveau programme mettait sous pied depuis 12 mai, et pour les libérer, parce que la quantité d'immigrants qui sont venus, ils vont diminuer la quantité d'immigrants qui sont venus demander asile sur frontière, ça c'est une, et puis tout, il y a moins de monde qui a pris en route là pour venir demander asile, et il y a moins de monde qui a pris la vie sur la mer tout pour venir. Et puis ça veut dire que son façon pour casser activité et raqueter. Nous, pour aller, n'a pas été ici aux États-Unis, ben, c'est saison officielle, ça, c'est saison unofficielle et début et saison été qui a commencé jeudi. Avec la fête mémoriale de ça, les jours du souvenir, là. C'est le jour côté que les Américains ont un hommage à tout Américain qui est tombé dans la guerre, pendant la bataille pour les États-Unis, et c'est juste ça, ils ont un hommage. C'est lundi, mais on a dit que saison en sens est à l'ouvrir. Je dis, parce que depuis jeudi à là, et les Américains n'ont pas pu voyager au moins très loin, ça peut pas passer, faire au moins 4 temps, 5 temps de voyage, puis passer jour ça avec la famille, et à l'occasion devant Tom, soldat inconnu, il y a une grosse manifestation ici dans Washington, il y a une famille qui vient, qui visite la capitale là. Nous connaissons le cimetière Arlington, c'est l'allié. Le président Joe Biden qui est pour aller et a déposé un jet de fleurs devant Mahon et Cognon. Donc, ce n'est pas une cérémonie qui est là sous pied et qui met une série de mise en place qui fait, etc., pour
pour célébrer journée ça et que une occasion c'est ce que l'a préparé pour une programmation spéciale justement pour fort vivre qui jamais que même yo marqué et journée ça qui en mémoire soldat qui tombé dans champ de bataille et pour les États-Unis et puis président Joe Biden nommé un général noir pour venir chef personnel John Shirsaf mais nomination faite, il faut que le Congrès lui-même l'approuve et nomination président. Donc ça veut dire que l'administration ça pas gagné SNK dit trois noirs et déjà gagné mini défense là Lord Austin et puis gagné tout porte-parole il y en a porte-parole la maison blanche c'est Karl Jean-Pierre. Donc là on va avancer doucement et c'est comme ça donc il y a une célébration pendant tout le week-end c'est bamboche tout côté net qui a marqué dans toute municipalité et puis puisque nous n'avons pas eu de municipalité il y a 19 municipalités aux États-Unis qui fait une qui cherche une entente avec une série d'organisations et militants qui étaient assignés et police municipale ville Sayo parmi eux Washington DC là-dedans ville New York là-dedans tout pour brutalité policière mais finalement et dossier qui est devant tribunal bon finalement monsieur je charge une entente en dehors tribunal pour payer victimes, mon qui est victime de brutalité policière en 2020, les nous songer et Floyd noir ça que un policier blanc t'es mis pied sous coule et dans Minnesota il cherchait d'étouffer malgré monsieur t'a demandé aide monsieur pas dire mettre pied sous coule monsieur t'a tué lui et bien pour ça c'est souvent paquet de protestation dans plusieurs villes aux États-Unis et même à l'étranger mais policier t'es répondre et répondre vraiment de façon et répondre à la manifestation et dire que j'utilisais la force qui dépassait pour être et croiser manifestation écraser mater manifestation que t'as fait dans l'occasion ça et bien victime yo monde qui est victime dans moment ça et bien il y a des groupes qui étaient portés prêts dans le tribunal et finalement le tribunal a tranché et il n'a pas été tranché parce que balavat calé non procès mais vidéo 19 là-dedans et qu'il y a un autre cap vient encore, ils ont entendu et ils ont d'accord pour payer 80 millions de dollars pour victimes. Ça sont partis de parce qu'il y a l'autre instance, l'autre action en justice encore qui est dans le tribunal contre la brutalité policière et municipale, puis c'est dans la ville. Donc, mais il y a quelques villes qui disent le fait que ils ont d'accord, je vais faire entendre là, ça va dire qu'ils sont coupables pour ça. Mais il y a des preuves, il y a des gens qui perdent des poignets, il y a des gens qui perdent des yeux, il y a des gens qui blessés, il y a un paquet de balles. Et puis il y a un leader, un groupe qui a manifesté et qui a attaqué dans la capitale là et en 2021, on a parlé de 6 janvier 2021, ben leader groupe ça, et bien, monsieur tribunal je n'est coupable et monsieur va passer 18 ans en prison. En fait, c'est peine qui est plus élevée que le tribunal jamais posé depuis là. Et il y a mené action de justice contre tout le monde, ou bien tout le monde qui était présenté tête comme supporter ancien président Donald Trump et qui était attaqué le Capitole là pour empêcher le Congrès à certifier victoire. Et le président et le Parti démocrate en a parlé de Joe Biden. Et nouvelle conseillère d'Haïti, et bien gagné. Et j'ai fait à continuer, Jamaïque qui a accueilli sorti 11 pour 13 juin, une délégation, leader politique haïtien, leader politique à la société civile là, haïtien, et justement qui vient pour aller Jamaïque pour aller discuter sur la crise là. Bon, depuis qu'on est à Babier, comment ça fait, il y a un qui reçoit l'invitation, qui dit oui, on va aller, mais on t'a mis qu'on est dans la délégation là, on est. Ouais non les mon si un tel a pas moi même pas chita même pour ta un tel
Donc, mais les rencontres, ça, l'abdolé dans Jamaïque. Si on va discuter des problèmes qui ont en Haïti, eh bien, Jamaïque va accueillir parce que le secrétaire général de la Nations Unies, Antonio Guterres, s'est mentionné dernièrement et il était battu bravo pendant une visite d'affaires en Jamaïque, exactement pour effort que Jamaïque était déjà. Et CARICOM était même une délégation en bas, Haïti, pour avoir aussi acteur de cas nous entente avant même de faire et qui est capable de déboucher sur une solution avec la crise là. Et le premier ministre Ariel Henry, en fait, voit arriver qu'on y a une déclaration du premier ministre Ariel Henry fait pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'intervention de force militaire en Haïti. Alors que le cabinet MCL a voté en conseil des ministres pour avoir l'autorisation pour défendre une demande pour les paysans, en particulier les États-Unis et les Nations Unies, pour devenir une force technique. Armée qui est capable de venir aider, ou bien encore venir décroper et crise, altérer les crises humanitaires qui parlent de guerre, mais puis aider la position pour décroper les bandits. En tout cas, et des cas sont pour les ministres, l'État se met le contredit avec des cas qui fait avant, et l'État contredit même des démarches que les États-Unis ont fait et pour aller dans le Conseil de sécurité, pour une résolution, peut-être qu'il y a une force multinationale pour aller en Haïti. Et gain, après les États-Unis, ils voient que ça va être possible parce que gain, deux membres dans le Conseil de sécurité qui ne tapent pas approuver une telle résolution. Et bien, les États-Unis ont lagué le Canada, mais le Canada a lui-même commencé à ne pas marcher encore. Et ils descendent, ils viennent dans l'OEA, l'OEA lui-même tout forme un groupe de travail sur cette crise-là. Et même. L'ambassadeur Haïti dans l'OEA a fait discours sur cette question pour demander demande présence en force, force technique armée pour l'aider. Gagner tout, ministre des Affaires étrangères là, lui-même tout est devant l'OEA, il fait la même déclaration. Hein. En plus, la question est soulevée sur question ça. Mais de ce pas qu'il est dans l'OEA, il descend dans la CARICOM et le leader CARICOM était franc. Et sincère et ouvert, et il y a eu même qui l'ont déclaré à la voix d'Amérique, qui a même dit que même il n'y a pas de soldats et CARICOM aller en Haïti. Donc c'est un dossier que jusqu'à présent, il y a un qui dit que le ministre, il faut essayer de revisiter ça et dire que la communauté internationale, exactement, qui ça veut exactement, qui participation veut que la communauté internationale là, travaille pour Haïti, alors que dans le moment ça, il n'y a pas trop semblé que la communauté internationale a chauffé non sens. Pour affaire de voyer une force et physique en bas, mais seulement c'est il n'y a pas système que l'idée pour gagner parce que localement acteurs politiques alors que parmi eux pas d'accord présence aux forces étrangères mais demandé c'est pour ça qu'on a pour bas assistance etc pour bas l'équipement nécessaire pour capable bataille avec bandits qui parfois mieux armés que policiers eux-mêmes. Donc, et puis, il y a un parquet tribunal, première instance, pour tout présent, que individu inconnu attaqué, pas attaqué, mais cambriolé, il a passé un bon toll. Il est entré dedans, il a porté avec lui des armes qui étaient grandes dedans, et en fait, bagaille qui était là, mais qui n'est pas sécurisé, il y a là l'argent, et il y a là avec quelques armes tôt, et il a assemblé là avec documents compromettants, avec quelques pièces à conviction. Qui était pour le monde qui était pour parler devant le tribunal, donc il y a là avec Baïsaïo. Mais jusqu'à présent, on compte rendu suffisamment qui vous dit, et quantité, et qui ça qui exact, qui document pas là. Mais il y a un responsable qui a parlé, et avec la presse, il dit que il y a des documents que mon a cherché, pas de côté, il y a un document qui a été mis de l'autre côté. Donc, le document ça a été excusé, mais il dit de connaître que. Il y a un document qui est perdu, mais par contre, qui s'est perdu exactement, qui est un document que inconnu ça a allé sans qu'elle saute, il y a un pas son côté, et puis il prend à aller, etc. Donc, c'est pas pour une fois tout parquet et tribunal premier 60 tout, l'a cambriolé. Et puis, l'Américain a annoncé, il a ajouté un autre vol sur Haïti, et à partir de août, il a passé une autre fois, ça veut dire que l'Américain a perdu un vol chaque jour. Sur Port-au-Prince. C'est vrai que mon abbé pour dire billet d'avion coûte extrêmement cher, mais Américain là qui était réduit, on voit qui était réduit vol, qui était 6 vols par semaine, et bien qu'on a pas ajouté un autre vol encore, donc là, il y a 7 vols par semaine dans le pays d'Haïti.
et puis qui ça quand nous répondons à un partage à voir et puis gagner et population Bolivie qui les réagit contre et ça et responsable de l'Église action à commettre contre des jeunes et les populations qui les réagit nous va rien plus détails sur dossier ça pour vous. Et les gentils va aborder dossier ça pour vous. Et puis je dis à nous que ces voyages familles américaines continuent à voyager, ces jours américains commencent à voyager, donc c'est date qui pas officielle et début saison d'été là. Et Sandra va parler de voyage, ça de comment américains a voyagé et voyager au moins 100 kilomètres. Puis il y a le famille parce que avec famille. Donc et lundi c'est va férié. Donc on un long week-end qui commence à partir jeudi et au même soir après jeudi dans le grand fédéral là au moins et aucun doit quitter le travail 2 heures de temps à l'avance, mais à condition vous faites tout ça que vous faites avant que vous déplacez les sabots, vous pas besoin d'aller aux heures pour pas quitter le travail. Ce que tu as pour faire, il faut faire tout ça que vous faites. Et puis 2 heures avant le normal où vous avez fini, et bien vous êtes capable de plier bagage et vous êtes capable d'aller à la caille. Et puis. Oui, c'est ça lié. Et puis, Assoya va commencer avec un nouveau segment. Un nouveau segment qui est le Meetup Valerio, c'est-à-dire rencontre avec Valerio. Et c'est une émission côté fait face à face avec un invité. Et je dis à cette première édition, 8 étapes, mes amis, branchez sur Facebook, branchez sur YouTube pour capable suivre et interview ça que les gagnent avec un invité de marque, c'est le premier invité. Et je dis que au pas regrette. Et Chita devant écran pour ouvrir le téléphone pour suivre l'interview ça que Valérie Saint-Louis a commencé. Ça, c'est le début d'une émission que a commencé. C'est Meetup à Valérie. Ça a été rencontre avec Valérie. Et voilà, ça y est. Et puis, l'actualité en Haïti n'a pas tellement changé jusqu'à présent. Il était amélioré à ce qu'il a fait, des marches qu'il a fait pour essayer de capable et ranger les conditions de sécurité. Tout le monde a veillé à droite à gauche. Bon Dieu, quand il a fonctionné quand même, il a posé quelques actions quand même, mais c'est pas en pile, il a fait quelques attaques. Mais c'est pas même janté dans le mois passé, avant l'opération Bois-Caléa est fini. Au contraire, même une organisation, même un groupe d'oiseaux, même qui penchait sur le dossier et qui font une étude sur l'impact que l'opération Bois-Caléa a gagné et l'activité gangue dans le pays. Tout ça, on a vu avec tout ça pour la nouvelle. Je vous remercie, nous, monsieur, nous passons un bon week-end. Jeudi, à ce vendredi, Jacqueline Lacarelli. Donc, Jacqueline Lacarelli, moi-même, moi, en bas, c'est moi qui ai présenté l'émission jeudi. Donc, non, et puis, restez branchés tout parce que Jacqueline a appris pour venir tout sur Facebook Live avec nous tout, pour faire un parler avec nous tout. Et nous voilà. OK? Bon week-end tout le monde. Et rappelez-vous, soit conduire ou pas à consommer alcool. Et si vous consommez alcool ou pas à conduire. Donc, on va faire une. C'est une ou bien l'autre. Bye bye.